Parce que les terrasses du port, si tu veux, c'est au bord de mer, à côté, enfin, à côté de, des bateaux. Donc, peut-être, mais peut-être que cette terrasse du port pourrait un peu touristique. Voilà. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aller sur le port. Non, ils n'iront pas. Ils n'iront pas. C'est uniquement pour les terrasses du port. Donc, avenue de la République, comment veux-tu arriver à traîner tout le monde? De toute façon, ils ont des idées par exemple. Moi, je vois le maire actuel de Villeurbanne qui veut tout casser le champ. Pas les Ciotti, moi, j'ai eu la chance de connaître. J'ai eu la chance de connaître les Ciotti. J'ai eu la chance de connaître, d'avoir un copain qui était un ami de Ciotti. Ciotti, c'est le frère de Ciotti. Ah, Ciotti. L'architecte, un fou. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est bien. Garçon. Qui est un peu hors norme. C'est bon, hein, en tant que. Il a fait d'autres réalisations, je pense. Il a fait, tout récemment, il a fait la rénovation du stade de Jean Moulin à Paris. Il avait fait, il y a de très nombreuses années, quelque chose qui n'a pas très bien marché parce que je crois que la ville de Vitrolles l'a mal utilisé. C'est le carré noir à Vitrolles. Le carré noir à Vitrolles, c'est un carré, c'est un cube, c'est un carré noir. À l'origine, c'était une salle de festivité. C'était très mal. Mais après, il a fait beaucoup de réalisations. Ah bon, on parlait beaucoup sur la Corée, beaucoup de...